Salut Richard, maman est sous la douche. C'est toi que je viens voir. Tu sais que ce soir, les icebergs de Flekkefjord jouent contre les caribous de Novokouznesk en finale de la Coupe du Monde de curling? Ben, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais en fait, j'ai déjà autre chose et... Rassure-toi, tu n'es pas invité. Hein? J'y vais avec mon neveu de Super Chevel. Pépo? Oui, il arrive par le train de 12h30. Mais je dois bosser au magasin. Je me disais que... Que je pouvais aller le chercher et m'occuper de lui cet après-midi? Oui. Ça marche. Super sympa, Lou, merci. Y a pas de quoi. Hé, tu te souviens de Pépo, le neveu de Richard? Il est de passage en ville. Je vais faire guide touristique cet après-midi. Tu viens avec moi? Impossible. Tristan m'a invité à faire une partie de jeu de rôle. Tristan t'a invité à quoi? À faire un dragon et donjon. Un jeu de rôle à l'ancienne avec des papiers, des dés et tout ça, quoi. Il savait que j'étais fan, alors... T'appelles qui? Tristan. Moi aussi, je veux jouer à votre jeu de rôle, là. Jeu de rôle. Tu sais, ma louloute, si tu ne connais pas les règles, tu risques de t'embêter un peu. Ça va, je suis pas complètement débile. Je peux les apprendre, les règles, et puis tu m'aideras. Bah, ça me serait difficile. Dans le jeu de rôle, c'est le personnage que tu joues qui décide des choses. Ça s'appelle le roleplay. Allô? Salut, c'est moi. Dis, je me demandais si pour le jeu de rôle, si je peux m'incruster. T'es rôliste, toi aussi? Hein? Oui, je connais bien wagon et donjon. Dragon. Ben oui, je sais, c'est une petite blague de rôliste, mort de rire, hein. Bon, écoute, si tu veux que ma mère vienne, moi je viens aussi, c'est un lot, à prendre ou à laisser, c'est comme ça. Dans ces conditions, j'accepte. Ok, super, t'es un amour. Et voilà. Et Pépo? Salut, tu vas bien? Ouais, super, dis, qu'est-ce que tu dirais de passer l'après-midi avec un garçon super sympa? Pépo, je suppose. Salut. Moi, c'est Mina. Lou a un empêchement, elle ne pourra pas être avec toi cet après-midi. Ah, ok. Bah, elle aurait pu me prévenir tout de même. Me passer un coup de fil pour me dire qu'elle m'envoyait une vague copine. Eh oh, ça va, on se calme. Mais d'abord, je suis THE copine. Nina, c'est ça, hein? Mina avec un M comme dans mufle. Sympa, le comité d'accueil. Un garçon super sympa. Bon, on va commencer par se présenter. Allez, tour de table. Je suis Grimm, magicien niveau 11, chaotique neutre, mais sympa quand même. Mi-nain, mi-humain, mes communautés m'ont injustement repoussé, mais j'ai été recueilli par Nartawak, la semi-liche vampire de la presqu'île de Kaar, qui m'a appris tous ses secrets. Ok, Gilles. Eh, c'est quoi ce délire? Il a pété un plomb, Gilles, ou quoi? Non, il est dans son personnage. C'est ça, le roleplay. À toi, Léo. Je suis Olaf Darkström, paladin niveau 15, loyal, bon, évidemment, humain, géant roux au cœur d'or. J'arrive des contrées du Grand Nord et ma hache à double tranchant sert deux causes, la justice et... la justice. Tu l'as dit deux fois? Exact, mais j'ai deux tranchants. Je suis Kernael de Gorfenek, elfe guerrière chaotique, bonne, de niveau 13. Archère aussi belle que redoutable. Mon village a été rasé par les sbires de Stog le Maudit. J'ai une vengeance à accomplir. Oui, abat Stog le Maudit. Ben, et moi alors? Comme tu n'as pas trop l'habitude, tu seras Griboulette, une gnome voleuse de niveau 2. C'est quoi un gnome? C'est comme un nain, mais plus petit, et puis sans barbe. Les gnomes, c'est vraiment de la vermine. Du calme, Kernael. Je sais que les elfes et les gnomes se détestent, mais pas de racisme. Alors, t'as prévu un truc pour déjeuner? Pizza, ça te va? Super raffiné. C'est ça ou la diète? Griboulette vous a montré le chemin de la citadelle de Zorbinel. Là, vous devez vous emparer du grimoire d'Arnacan pour contrer la malédiction de Stog le Maudit qui a promis la mort et la misère dans les 9 comtés du royaume de Krull. Vous approchez de la citadelle, mais le pont-levis est gardé par 5 gargouilles vampires. Griboulette, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais leur jeter des pierres. Eh, roleplay les gars, on est en donge. Griboulette peut faire ce qu'elle veut. C'est parti. Ah.
Très bien, vas-y. Lance un D20. 2 plus 3 bonus, ça nous fait 5. C'est quoi ton taco? Quoi? Ok, 20. Ça nous fait CA8. Raté. Et 6, 11, plus 3 de magie, 14, plus 2 de force, 16, plus 3 de spécialisation, 19 dans les dents de la gargouille. Tu l'as eu. Bien joué, Kernael. Je viens encore de prouver la supériorité des elfes sur les gnomes ridicules. Alors, vous avez décidé? Une salade toscane sans lardons ni anchois, mais avec des capres et de la pancetta, et la sauce dans un bol à part. Hein? Ben, moi aussi. C'est exactement ce que je voulais prendre. C'est marrant, ça, hein? La voie est libre. La porte de la citadelle est devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Montre-nous tes talents, Griboulette. Ouvre-nous cette porte et surtout, n'oublie pas de détecter les alarmes. Vas-y, jette 2 des 10. 43, bon, ok. Tu ne détectes rien. Ah, tant mieux. Bon, ben, j'ouvre alors. J'avais détecté aucune alarme! Bah oui, mais t'as raté! Quel boulet, ce gnome! Hé! Hey! Bon, maintenant vous entendez des pas, des squelettes rapides. J'ai une idée complètement dingue. Si on se parlait, c'est triste les repas silencieux. Ok. Lance un sujet de conversation. Alors moi, déjà, j'aime le ski, l'odeur de la sciure, les images au ralenti dans les documentaires animaliers et les bonbons au goût très chimique. Et toi? La danse contemporaine, l'odeur des vieux livres, la coiffure du mec de téléachat et le mot polystyrène. J'oubliais, j'adore les westerns aussi. Ah, quel genre de western? Bon, vous avez bien bossé. Griboulette, tu peux venir, il n'y a plus d'ennemis. Vous avancez et vous arrivez au pied du donjon maléfique. Mais là, pas de porte. Que faites-vous? On n'a qu'à faire grimper la gnome. Comme ça, arrivée en haut, elle nous lancera une corde. Enfin, et si elle y arrive? Nia, nia, nia. Je vais te montrer. C'est bon, Griboulette. Tu peux commencer à grimper. Oula! T'as failli t'écraser. Lance un nouveau le dé, attention, fais pas un trop gros chiffre. 95, ah, pas de bol, tu tombes dans le vide. Non, non seulement elle est gourde, mais en plus elle est maladroite. Génial, Kernael. Faut bien l'aider, cette pauvre Griboulette, toute seule, elle n'arrive à rien. C'est ce qu'on va voir, on peut jouer là? Je grimpe, j'arrive en haut du donjon et je déroule une corde. On aurait mieux fait de prendre un orque avec nous. Les gnomes, ils ont deux mains gauches. C'est-à-dire qu'elle est seulement niveau 2. Tu m'étonnes, elle n'a même pas d'arme digne de son. Et ben justement, j'ai une dague. Et tu peux pas faire ça? Je vais me gêner. Hey, roleplay les gars, ok? C'est donge, je peux faire ce que je veux. La rivière rouge, c'est bien, mais Rio Bravo, c'est mieux. Je préfère largement la prisonnière du désert. Tu m'étonnes, c'est un pur chef-d'œuvre. Comme la charge héroïque. Je l'ai vu 16 fois. Ah, c'est Richard, il m'attend chez lui, je dois y aller. Faudrait pas louper le début du match, tu vois. Ah, on se reverra peut-être. Peut-être, oui. Allez, ciao, Mina. Ciao. Ah, l'amore. Je n'en reviens toujours pas. T'as tué nos persos. Vous l'avez pas volé. Mmh.
comptes bouder longtemps? Le temps d'oublier cet horrible après-midi. Tu m'as humiliée devant l'amour de ma vie. Ce n'est pas moi, c'est mon personnage. Les elfes détestent les gnomes. Je n'y peux rien si tu n'es pas faite pour les jeux de rôle. Allez, quoi? C'est quoi le taco? Bah, ça indique les chances que tu as de toucher un adversaire pendant un combat. C'est calculé en fonction de ta classe, de ton niveau et de tes caractéristiques. Plus ton taco est bas, meilleures seront tes chances de toucher l'adversaire. Tu comprends? Non. Oh, oh, oh non, mon cher Piotr. Les skips ont sans doute demandé aux arbitres de mesurer la position des pierres. Effectivement, plus. Salut. Oula, au son de ta voix, je sens que ton après-midi avec Tristan a été un fiasco. Exact, mais comment t'as fait pour deviner? J'ai juste dit salut. C'est mon super pouvoir de super copine. Et toi, tu dis rien? C'est bizarre. Oh, t'as craqué pour Pépo, c'est ça? Hein? Tu vois, on dirait que toi aussi tu l'as, ce super pouvoir. Allez, raconte, raconte. Eh ben, c'est rigolo, toutes ces vieilles photos. Tiens, c'est qui sur celle-là? Mes copines de fac, Amélie, Nolwenn et Claire. T'as vu? T'es aussi sur la photo. C'est chouette, ces souvenirs. Je viens de me rendre compte que je n'en ai aucune de Richard. C'est dommage. Ben oui, d'autant plus qu'il fait carrément partie de notre vie maintenant, non? Salut. Salut. T'es prête? Oui. Tu m'attends une seconde? Je vais chercher mon sac. D'accord. Je me dépêche, hein. Là, c'est Lou à 6 mois. Elle faisait ses dents. La pauvre. Ça lui provoquait de monstrueuses éruptions de boutons sur les fesses. Regarde-moi cet eczéma. Oh, non. Louloute? Allez, sors de là, quoi. Vous parlez vraiment à cette grosse caisse, là? Quoi? Mais non, d'abord, c'est une malle. Et ensuite, je parle à Lou. Elle se planque toujours là-dedans quand elle a un souci. Ah, bah c'est tout à fait normal. Bon, bah moi, je crois que je vais y aller, là. Attends, vous deviez pas aller vous balader tous les deux ou un truc comme ça? Lou, faut que tu réagisses. Tristan s'en va sans toi. Quoi? Mais il est venu dans la chambre? Bah, oui. Il a compris que j'étais dans la malle? Bah... oui. Ah, la honte. Bon, ok, Tristan a vu tes fesses quand tu étais bébé. Et alors? C'est pas grave, c'est même plutôt mignon. L'eczéma, c'est pas mignon. En plus, il a découvert que je suis une dingue qui s'enferme dans une malle au moindre petit souci. Bah, tu sais, à la télé, on en voit tous les jours des gens un peu zinzin. Il peut comprendre. Ouais, t'as raison. Déjà, je pourrais lui expliquer que j'ai plus de boutons. Et pour la malle, je pourrais lui dire que c'est une habitude bizarre, mais que j'essaye de me soigner. Et si tu en profitais pour arrêter vraiment? Arrêter la malle de la honte, carrément? Ben ouais, je pourrais, essayer. Tiens, dis-moi, on dirait pas ta malle, là? Hein? Oh, mais... si! Hé, arrêtez! Il se fait la malle! Oui, ben maintenant, va falloir que tu t'en passes d'un seul coup. Non! Un type a emporté la malle! Déjà? Ça a pas traîné? Tant mieux.
Regarde, j'ai retrouvé mon vieux polar. Comment ça, tant mieux? Tu veux dire que tu l'as volontairement bazardé? Notre mal? Ah oui, après ce qui s'est passé avec Tristan, je me suis dit que c'était le bon moment pour s'en débarrasser. T'es pas d'accord? Non. Mais ça va pas, t'es dingue ou quoi? Je voulais essayer mon flash. Ah, zut, raté. C'est normal, toutes les photos de moi sont ratées, ça doit être une malédiction, il y a toujours un truc qui cloche. Je ne crois pas aux malédictions, je crois à la technique, moi, monsieur. Je te parie un resto que je peux réussir une bonne photo de toi. Ouais, une bonne photo ratée. Bon, sois objective. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial cette malle à part que tu te cachais dedans? Objectivement, rien et tout à la fois, elle a toujours été là. C'est comme un ami d'enfance qui s'en va. C'est comme si j'avais perdu mon doudou, quoi. Je te comprends. Moi aussi, j'ai perdu mon ami d'enfance. Ah oui? C'était un vieux réveil matin. Je l'aimais bien, il faisait tic-tac, tic-tac. Ouais, ça me rassurait la nuit. C'était bien. Mais un soir, ma mère a décidé de le jeter. Hein? Pourquoi? Parce qu'il retardait. Je suis désolée, ma grande. Tu sais quoi? Ça ne sert à rien de se morfondre. Il faut que tu passes le cap et je suis là pour t'aider. Hein? Allez, on y va? Ça changera quelque chose si je te dis que ça ne changera rien? Ça va être parfait. Allez, un petit sourire. Encore. Mais pourquoi tu te crispes? On dirait que t'as mangé du ciment. C'est comme ça à chaque fois que je vois un appareil photo, c'est plus fort que moi. On va changer de méthode. Tu vas dire oui, Titi. Oui, Titi? Oui, enfin, si ça te plaît pas, essaye avec un autre singe. Babouin. Je te l'avais dit, c'est une malédiction. Ils sont frais, mes poissons empaillés, ils sont frais. Véritable lingot plaqué or. C'est ça, ton idée pour surmonter ma peine? Une brocante? Mais oui, tu vas trouver un nouveau doudou. Moi, par exemple, j'ai remplacé mon réveil matin par Jean-Pascal. Tu l'as trouvé dans une brocante? Ça explique sa drôle d'odeur. Mort de rire. Bref, t'as qu'à choisir un objet dans toutes ces vieilleries et hop, le tour est joué. Une affaire, mais... Mina, ça marche pas comme ça. Essaie, tu n'as rien à perdre. Serf, frôleur, franche à voile, patin, roulette, tout pour vous déplacer sans dépenser un centime d'essence. Profitez-en. Produit de Sibérie, garanti, sans radioactivité. Offrez du bon et du beau, offrez des fleurs en sucre. Regarde, hein? Là, je le reconnais, c'est le chauffeur de la camionnette. Qu'est-ce qui te fait croire que ça va marcher? Si tu ne sais pas à quel moment je prends la photo, tu auras forcément l'air naturel. Détends-toi, fais comme si je n'étais pas là. Oublie l'appareil, laisse-toi aller. Comment veux-tu que je l'oublie? T'arrêtes pas de me tourner autour. J'ai une idée. Tu avances normalement le long de l'allée et moi je vais prendre la photo au moment où tu t'y attendras le moins, ok? Bon sang, pourquoi t'as crié? J'ai pas pu m'en empêcher. J'ai plus de pellicule. On dirait que je viens de gagner un resto, non? Minute, papillon. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Viens avec moi. Je ne l'ai pas volée, t'as mal. Elle était sur mon trottoir, ok? Et vous l'avez ramassée, je vous ai vu. Elle était sur la voie publique. Si tu voulais la garder, il fallait pas l'acheter. Je ne l'ai jamais jetée. Oh, du calme, le problème n'est pas là. Où est-ce qu'elle est cette malle maintenant? Je l'ai vendue à un vieux type bizarre. Il était content. Ça faisait 30 ans qu'il cherchait une malle comme ça. Et vous connaissez son nom? Oh ben non, désolé. Oh, c'est fichu. Je la reverrai jamais. Si tu veux une malle, je peux t'en proposer une autre et en meilleur état. Alors? Vous n'auriez pas la taille au-dessus? Bon, là, il n'y a personne derrière l'objectif, hein? Du coup, tu n'as aucune raison d'être crispé. Mais alors, ça marche pas? C'est malin, t'as tout gâché.
Et en plus, pour une fois, j'étais bien. T'as tout fichu en l'air avec ta face d'huître. Merci, sympa. J'ai peut-être une face d'huître, mais toi, tu es aussi photogénique qu'un plat de nouilles. Ça suffit, assez joué. Primo, je ne suis pas top modèle. Et secondo, j'ai autre chose à faire. Alors, ciao. Salut. Salut. Ben alors, les filles, vous en faites une tête? J'ai perdu mon doudou. Un nounours? Non, une malle. Une malle? Ah, ben ça c'est cocasse. L'ancien vient de ramener une chez lui, il n'y a pas une heure. Il a fait un rafut de tous les diables en la montant. Effectivement, je viens de l'acheter à la brocante. C'est la mienne. J'avais aucune envie de m'en débarrasser. Il faut me la rendre. Bien. Et comme disait mon ami James Lowell à Houston, on a un problème. Les choses sont appelées à évoluer. C'est une des 12 vérités de l'univers et c'était le destin de cette malle depuis 30 ans. Quand vous dites évoluer, vous voulez dire désintégrer? Non, évoluer veut dire renaître sous une forme plus adaptée. Quelle forme? Impossible à prévoir, mais tu me remercieras lorsque les lémuriens seront repoussés dans les ténèbres extérieures du Yog-Sothoth. Eh, vous prenez des photos de tous les habitants de l'immeuble? Affirmatif, depuis 1865. L'immeuble n'était pas encore construit? Si, enfin, pas dans notre dimension, bien entendu. Ah bon? Comment tu te sens? Bah, en fait, ça va. C'est bizarre, mais je me sens comme... libérée, quoi. Bah alors, c'est le moment. De quoi? De dire à Tristan que t'as passé le cap, que tu n'as plus besoin de mal, ni rien. Je sais que tu penses que je suis ridicule, mais c'est fini tout ça. Je n'ai plus honte de me cacher, la malle a disparu et c'est pas grave si tu as vu ma photo. De toute façon, maintenant, ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que tu as devant toi une nouvelle loup. Voilà. Super. Tu veux entrer? Au fait, t'as vu? J'ai acheté les Solus de Golden Sun. Hé, c'est qui ce petit garçon tout nu assis sur son pot? Tristan, non mais... Merci. Je voulais m'excuser, j'étais énervé tout à l'heure. Tu n'as pas du tout une face d'huître et je veux bien encore poser pour toi, si t'en as envie. Pas la peine. Regarde. Waouh, je suis super bien là-dessus. Comment t'as... C'est un secret. Au fait, pourquoi tu voulais me prendre en photo? Bah, comme tu vois, j'adore avoir des photos des gens que j'aime. Enfin, que j'aime bien, quoi. Elle est rigolote, celle-là. C'est toi, Lou? Là? Non, je me suis jamais déguisée en kangourou rose. Non, je t'en prie, sors de derrière ce rideau. Allez! Non, plus jamais!
Et voilà. Mon chef-d'œuvre. Salut. Waouh. C'est quoi? Attends, ne me dis rien. C'est pour Gino, un hommage à sa pizza aux anchois. Pas du tout. Ça ne t'évoque pas quelque chose d'un peu plus lyrique? Voyons voir. Une maladie de peau, de la viande hachée. Cette toile est censée évoquer la fougue, la passion, tous ces sentiments que j'éprouve pour Tristan. Je pensais lui offrir pour son anniversaire cet après-midi. Il fait une fête chez Gino. Ah, mais oui. Maintenant que tu le dis, la fougue, la passion, tout ça. Ben oui, c'est évident quand on le sait. C'est complètement raté, hein, honnêtement. Ben, disons que c'est pas hyper clair comme déclaration d'amour. Tu devrais peut-être être un peu plus direct. Essayer les mots, les phrases, bref, lui parler. Quand il est devant moi, les mots ne viennent pas, les phrases s'en mêlent. Il est tellement... Essaie de mettre à profit la petite fête qu'il organise chez Gino. Tu danses un peu avec lui, vous vous rapprochez, tu l'entraînes à l'écart, et là, tu lui fais ta déclaration. Ah ouais, c'est si facile que ça. Et toi, avec Richard, t'en es où exactement? Disons que j'ai pas encore trouvé le moment. Et puis... Ok, t'as raison, j'en suis nulle part, comme toi. Et si on se motivait toutes les deux? Genre, si tu le fais, je le fais. Comme une sorte de pacte? Exactement. Top là. Notre destin est en marche. Bambine, entrez, ne restez pas à la porte. Ciao, Gino. Hey, Mina, je vais jamais y arriver. Respire, reste zen. Tu t'avances vers lui, tu lui offres son cadeau et tu enchaînes avec ta déclaration. Allez, courage. Ça va? Tiens, bon anniversaire. Sympa, merci. C'est un CD, j'espère qu'il te plaira. Et puis, j'aimerais bien te dire un truc après. J'espère que c'est pas le dernier Vénus Déa. On vient de me l'offrir. Ah, ok. Et sinon, t'avais un truc à me dire? Non, rien, ça peut attendre. Richard, c'est la première fois que je dis ce genre de choses à quelqu'un. Et c'est pas facile. Voilà, tu comptes beaucoup pour moi. Enfin, tu as toujours compté dès le début. Je me suis sentie proche de toi. Très proche. Comme si on s'était toujours connus. Quand tu es là, je me sens chez moi. Enfin, chez nous, quoi. Ce que j'essaie de te dire, c'est que... Dis donc, je te fais une déclaration d'amour et toi, tu te grattes. Bon, allez, je crois que je suis prête. Fais un pacte avec ta mère, c'est aujourd'hui que tu dois tout dire à Tristan. Et toi, le voilà. Ça va, vous vous amusez bien? Oui, génial. Bon, mais je vais remplir mon verre. Tu voulais pas me parler d'un truc? Tu sais, moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Hein? Quoi? Ah bon? Oui, mais vas-y, à toi l'honneur. Comment dire, allez. En fait... Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Tristan, joyeux anniversaire. Et ça va, elle était toute pâle. Du miel, une goutte de fleurs d'oranger, du jus d'orange et la touche segreta alla Gino. Crois-moi, Caralou, ça va te remettre en forme en un rien de temps. Alors? Encore. Tiens, serre-toi, je dois retrouver mon bocal d'olive. Quelqu'un me l'a dérobé. Oh, Dio mio. Tu m'énerves. Ok, Richard est rentré chez lui. C'est bon, j'y vais. Salut, tu vas bien? Entre. Ça va? Je voulais te dire que... Tu vas faire du camping? Oui, je vais animer une colonie de vacances pendant 2 mois. Comme tous les étés. Je te l'ai pas dit? Ben si, sans doute. Mais je me souvenais plus que tu partais aujourd'hui. Si. Bon ben, je te laisse alors. Bonnes vacances. Attends! Tu n'étais pas venu pour me dire quelque chose?
Tout ça, c'est la faute de ma mère. Elle m'a poussée à faire ce pacte stupide. À la base, j'avais un plan imparable pour que Tristan devine mes sentiments sans que j'aie rien à lui exprimer directement. Mais oui. Ma que Dijo mio, ne me dis pas qu'elle a tout bu. Bah si. Et forcément, il a fallu qu'elle vienne fourrer son nez là-dedans, m'obligeant à tout avouer à Tristan, alors qu'elle n'est même pas fichue de parler à Richard. Il y a du café pour Arabica dedans. Adesso, elle est toute énervée. Fini la rigolade, je vais tout lui balancer, moi. Et pas plus tard que tout de suite. Hey, Tristan. Tu peux plus te défiler maintenant. C'est l'heure H du jour J. Mille olives, ladron, voleur. Quoi? Répète, j'entends rien. Tout va me les payer. Viens ici. Je disais qu'il fallait que je te dise un truc important. Jack, Jack, je n'abandonnerai jamais, Jack. Je te le promets. Ouais. Je ne te dérange pas trop? Bof, non. Jack. Jack. Tu regardes Titanic à 4h de l'après-midi? Oh là là, raconte-moi tout, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. J'avais décidé de tout dire à Richard sur mon amour et tout ça. Mais cet idiot part animer une colonie pendant tout l'été. J'ai plus qu'à l'attendre comme une idiote en tricotant. Tu ne sais pas tricoter. Je sais, je suis nulle. Tu veux un conseil? Pourquoi faire? D'après toi? Bon, écoute, tu vas te passer la tête sous l'eau et foncer lui dire que tu l'aimes avant qu'il ne craque pour une monitrice de colo. Enfin, c'est ce que je ferais si j'étais à ta place. Allez, ciao. T'en voilà? Tu... Je t'accompagne à la gare? Avec plaisir. Allez, c'est pas la fin du monde, ça aurait pu être pire. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu lui vomir dessus devant tout le monde. Et voilà, on est parti. Je voulais te dire que... Hey! Ben alors, ma louloute, et le pacte? C'est raté, brisé comme mon cœur. Ciao. Ce qui lui arrive? Des problèmes d'ado. Richard, je voulais te dire... Pardon, vas-y, je me tais. Non, excuse-moi, toi d'abord. Ben voilà, je... Dernier appel. Le train à destination de Roussignol-sur-Arbe va partir. Oui, ça va, on a compris. Allez, au revoir. Bon voyage. Au revoir. Des sentiments au docteur Helmut. C'est pas Gretchen. Et si mon amour n'était pas réciproque? Quel crétin, ce docteur Helmut! Depuis le temps qu'Ursula se pâme devant lui. Non mais il est aveugle ou quoi? Fais de l'humour, c'est bon signe. J'avais peur que t'aies décidé de finir vieille fille avec ta mère. Vieille fille? C'est trop l'angoisse. Faut que j'y réagisse. Merci, ma grande. Je m'habille, je traverse la rue et je dis à Tristan que je craque totalement pour lui. Je te rappelle. Ah.
savais que je te trouverais là. Tu as vu ce temps? L'appartement de Tristan est vide. Il a déménagé, sans laisser de mots, ni rien. C'est l'été. Ouais. Cher journal, ça y est, c'est la fin de l'année. L'heure du bilan. Tristan vient de disparaître de ma vie, comme ça, pouf. Et je me rends compte que j'ai passé une année à monter des plans pas possibles pour le rencontrer et arriver à lui parler de mes sentiments. Tout ça pour rien. Enfin bref, malgré tout, j'ai appris des tas de trucs cette année. Les règles du curling, ce que l'on obtenait en mélangeant un chat gris avec de la teinture rose, que la musique n'adoucissait pas forcément les mœurs, que les chenilles processionnaires n'étaient pas aussi stupides qu'elles en avaient l'air, les règles du croquet et un tas d'autres trucs avec un tas d'autres gens formidables. En fin de compte, je me suis plutôt bien amusée. Il me semble que j'ai un peu grandi aussi. Allez, c'est l'été, la vie est belle. Profitons-en. Rentrez, louloute, tout va bien? Ah, tout va mal alors. Quoi encore? Si tu m'expliquais. Tout ça, c'est de ta faute. Ah, mais j'y suis pour rien, moi. J'ai rien fait, je te jure, je... Attends, qu'est-ce que c'est qu'est de ma faute au juste? Mon rendez-vous au cinéma avec Tristan, fichu, voilà ce qui est de ta faute. Mais t'imagines pas l'énergie que ça m'a demandé d'organiser ce rendez-vous, j'ai dû déplacer des montagnes. Bref, on se décide à aller voir le dernier film de Carlo Girotti, là, celui qui était Monsieur Univers. Et là, paf, j'arrive en retard. Évidemment, Tristan était déjà parti. Bon, c'est pas de bol, mais j'y suis pour rien, moi. Je vais te rafraîchir la mémoire, souviens-toi. Ben moi j'y vais. Qu'est-ce que t'as? Je vais mourir. Ça peut pas attendre 2 heures? Non. Mon ventre. Va à la pharmacie me chercher un... N'importe quoi contre le mal de ventre. Mais c'est que j'ai rendez-vous au cinéma là. J'ai mal. Ok, j'y vais. Tiens, voilà, tu prends ça et dans 5 minutes, adieu le mal au ventre. Merci, ma louloute. Heureusement que tu es là, parce que franchement... Enfin bref, c'est clairement à cause de toi que j'ai raté l'heure du rendez-vous. Tristan doit m'en vouloir à mort. Je n'oserai plus jamais lui parler. Ma vie est fichue. Oh, dis, excuse-moi d'avoir frôlé la mort, hein. Et en plus, c'est à cause de cette maudite pizza. Quelle pizza? Et hop, de manger, il est temps, jeune Jedi. J'adore quand tu imites Yoda. Trop sexy. Pizza il y a. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vésuvio. Tu veux dire que c'est la faute de Richard? Ah non, j'ai pas dit ça. Mais après réflexion, oui, en fait, c'est entièrement de sa faute.
Salut, Lou. Qu'est-ce qui t'amène? La colère. Comment ça? Tu sais que t'as failli tuer ma mère? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, bon, elle va mieux, hein, mais t'as bien failli l'anéantir avec ta pizza Vésuvio. Chorizo, harissa, sauce chili. Ben voilà! Elle ne supporte pas les plats épicés, t'étais pas au courant? Non, elle me l'a jamais dit. Et que je sache, elle l'a bien mangée, cette pizza. Pizza il y a. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vésuvio. Si tu veux, je peux la changer. Maman, pourquoi tu l'as mangée, cette pizza Vésuvio? Ouais, c'est vrai, ça. Pourquoi? Bah, à cause de mamie. Tu ne t'en souviens pas? Allons bon, et qu'est-ce qu'elle vient faire là, mamie? Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vésuvio. Oh zut, celle-là, c'est celle de Monsieur Verdier. Si tu veux, je peux... Allô? Ah, maman. Non, je n'ai pas enregistré la clinique de la Forêt Vierge. Bah, si, en fait, on allait se mettre à table. Non, pas avec Lou, avec Richard. Richard, comment? Maman, tu ne vas pas recommencer. Mais où tu veux que je trouve de l'antilimace bio en pleine ville? Tu ne peux pas demander à Monsieur Chassagne? Oui, je sais bien que c'est un malotru, mais... Bon, ok, rappelle-moi plutôt demain. Je t'embrasse. Ça va? J'ai pas été trop longue? Si tu veux, je peux la changer. Pas le temps, après un coup de fil de ma mère, tout me semble doux comme du miel. Alors si je comprends bien, c'est de la faute de mamie. Ok, je l'appelle, elle va m'entendre, hein. Où est le téléphone? Non, ne la dérange surtout pas maintenant, c'est l'heure de son feuilleton. Tant pis, que justice soit faite. Justement, ce serait injuste. C'est quand même pas mamie qui s'est trompée de pizza. Pizza il y a. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vésuvio. Oh zut, c'est celle de Monsieur Verdier. Oui. Monsieur Verdier. Qu'est-ce que c'est? C'est Lou, Monsieur Verdier. J'espère que ça n'est pas pour la loterie du collège. La dernière fois, j'ai gagné une entrée pour la fête du bois et je suis resté coincé sur la grande roue. Non, c'est juste pour une petite question. Est-ce que vous avez acheté une pizza chez Gino ce midi vers 12h30? 12h33 pour être plus précis, mademoiselle. Je le sais car j'ai raté le début de mon feuilleton. Et là, je lui ai sorti ma blague favorite. Dis donc, ma pizza Vésuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Elle arrive, signor Verdier, presto subito. Et voilà! Une Vésuvio et une quattro fromaggi per il signor Richard. Mais alors, c'est pas vous qui avez pris la mauvaise pizza? J'ai pris la pizza que Gino m'a donnée. D'ailleurs, il s'est trompé, je ne manquerai pas de le lui dire. Mon pauvre Boubou ne digère pas la 4 fromages. Pas vrai, Boubou? Gino! Ciao, Bella! Que puis-je pour toi, cara mia? Me donner des explications. Pourquoi tu as donné la pizza destinée à Richard à Monsieur Verdier, hein? Je me suis trompé de pizza? Oh, porca miseria! Oui, et du coup, ma mère a été malade. Un momento. Après réflexion, non è colpa mia. Comment ça, pas de ta faute? Bah alors, tu le sais ou tu le sais pas? Excusez-moi, mia bambina, ma y a du travail, tu sais. Dis donc, ma pizza Vésuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Si, elle arrive, signore Verdier, presto subito. Alors comme ça, Mina était dans la cuisine avec toi? Si, elle est venue me poser une question alors que j'avais un sacco di gente dans mon restaurant. Quelle question? Je ne m'en souviens plus, j'avais la tête comme une pentola. C'est pour ça que je me suis trompé des pizzas. Mina? Salut? Entre. Salut? Il y a un souci? Oui. J'aimerais savoir pourquoi tu as dérangé Gino pendant qu'il préparait ses pizzas. Allez, réponds. Oui, je voudrais bien savoir pourquoi. Eh, dis donc, du calme. Primo, je ne vois pas où est le problème. Et secondo, j'avais un truc crucial à lui demander. Mina, je vais commander le déjeuner.
Carlo Girotti, il est de quelle nationalité? Je ne sais pas. Japonais ou libanais? Carlo Girotti, libanais? Non, le déjeuner. Tu veux manger japonais ou libanais? Mais je m'en fiche! Je veux juste savoir si Carlo Girotti est italien ou pas. Et sur le web, c'est n'importe quoi. Ils disent tout et son contraire, c'est dingue, ça! Ma chérie, voilà une excellente occasion de t'instruire et de t'ouvrir aux autres. Je te conseille d'aller à la rencontre d'une personne d'origine italienne et de lui poser ta question. Oh, Gino! Super idée, maman! Allez, je fonce! À plus! Profites-en pour ramener des pizzas. J'en prendrai une au tofu. Mais alors? C'est la faute de ta mère. Mais c'est quoi cette histoire de faute? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ta mère t'a dit d'aller voir Gino. Là, tu as embrouillé Gino qui s'est trompé de pizza et à cause de ça, j'ai raté mon rendez-vous au ciné avec Tristan. Parce que du coup, maman a eu des crampes d'estomac après avoir mangé la pizza Vésuvio de Monsieur Verdier à la place de la 4 fromages de Richard. Bon, bref, sans parler de mamie qui a téléphoné et qui a tout compliqué. Ma mère n'y est pour rien. J'ai plutôt l'impression que c'est la faute du pari. Quel pari? T'as déjà oublié? J'en reviens pas! Tu crois vraiment que les pigeons descendent des dinosaures? On descend bien des singes. Ouais, mais quand même. Au fait, je t'ai pas dit, j'ai invité Tristan au ciné cet après-midi. Ah, c'est pas trop tôt. Et vous allez voir quoi? Mission Delta 2, c'est Tristan qui a choisi. C'est avec l'acteur italien qui a été Monsieur Univers, Carlo Girotti, tu connais? Ouais, tu parles d'un romantisme. Au passage, je te signale que Carlo Girotti est américain. Hein? Non, j'en suis quasi sûre, il est italien. D'origine peut-être, mais il est né à New York, sûre et certaine. On parie? Bref, si je suis allée voir Gino, c'est à cause de ton stupide pari. Mais alors, ça veut dire que... Que tout est de ta faute, eh oui. Il est italien, Carlo Girotti? Islandais. Il est né à Reykjavik. C'est Tristan. Il doit être furieux. J'y vais. Allô? Lou, ça va? C'est Tristan. Je t'appelle pour m'excuser. De quoi? Bah, tu sais bien, d'avoir raté notre rendez-vous au ciné. Toi aussi? Comment ça? Ben, tu sais, quand tu m'as appelé pour me demander si Carlo Girotti était bien italien, j'ai voulu regarder sur Internet. Je sais pas s'il est italien, mais je vais vérifier. Oui, ok. À tout à l'heure au cinéma. En fait, j'ai rien trouvé sur Carlo Girotti, mais en surfant, je suis tombé sur des vidéos marrantes. Du coup, j'ai pas vu l'heure passer et j'ai loupé notre rendez-vous. Je suis arrivé en retard au ciné et t'étais plus là. Je suis vraiment désolée. Tu m'en veux pas trop? Non, je t'en veux pas. Parce que au fond, pour tout te dire, c'est pas vraiment ta faute. Ah bon? Bah non. Et en plus, j'aime pas trop les acteurs islandais. Quoi? Rien. Ça te dit, un tour? Au parc? Ah bah oui. Génial. J'avais peur que tu me fasses toute une scène. Une scène? Jamais de la vie. C'est pas mon genre, hein. Allez, à tout de suite. Bon, je vous laisse, hein. Ce coup-ci, je fonce, hein, avant que vous fassiez tout pour me faire rater à nouveau mon rendez-vous. Allez, bye. We'll be right back.
Tout ce monde, c'est désert le mardi, normalement. Hé, hey, Gino, ben, et notre table? Mamma mia, scusi, veniez vous en trouver une autre. Là, c'est bene, non? Ecco une escalope milanaise et des spaghettis à la carbonara. Mais, Gino, on est mardi. Le mardi, on prend toujours deux salades Capri, sans croûtons, et une grande pizza Volcano avec un supplément poivron que sur une moitié. Ma si, scusi cara mia, je ne sais plus ce que j'ai fait. Ah, Cassante, amore mio. Ah, ben voilà pourquoi c'est le bazar. Il est amoureux, le Gino. Mes chers amis, je vous présente Hyacinthe, ma fiancée. Bonsoir, je suis ravie de rencontrer les amis de mon chum. Enchantée. Vous êtes de Québec? Montréal. J'ai toujours rêvé d'y aller. Il paraît que les gens sont très accueillants. Bon, ben moi je vous laisse, hein. J'ai des devoirs à faire et tout. Ciao la compagnie. Et hop! Ben alors, on peut savoir ce qui t'arrive. C'était un peu malpoli ta façon de partir tout à l'heure. Attends un peu, ce serait pas parce que Gino a une copine? Non. Aucun rapport. Je suis très contente pour Gino et aussi très contente pour le Québec. C'est génial ce rapprochement culturel. Trop fort. Bon, maintenant tu me laisses? Je vais d'abord te dire un truc. Tu sais, Gino est un super pizzaiolo, mais c'est aussi un être humain. Il a le droit d'être amoureux. Ouais, je sais. Mais tu vois, cette Hyacinthe là, je la sens pas. Elle a l'air bizarre, non? Je voudrais pas que Gino soit déçu, c'est tout. Tu trouves que j'ai à bouger, hein? M'excuser? Ah non, puis quoi encore? Ok, t'as gagné, je vais aller lui demander pardon. Eh oh! Ah. Eh, Gino, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, hey, ciao, cara mia! En l'honneur des Hyacinthe, j'ai décidé de faire quelques piccoles transformations dans les restaurants et d'ajouter des nouvelles spécialités dans les menus, regarde! Pizza à la poutine? Blanquette de caribou? Spaghetti au sirop d'érable? C'est une blague? Ma, pas du tout! C'est un concept révolutionnaire. Les mariages entre la cuisine italienne et la gastronomie québécoise. Tiens, je veux que tu sois la première à goûter mes cannelloni du trappeur. Une merveille sublissima! Jamais! Trouve-toi un autre cobaye! Ma... Blanquette de caribou, spaghetti au sirop d'érable? Effectivement, ça a l'air... Immonde! Je refuse de remettre les pieds chez Gino tant qu'il fera de la cuisine québec-italienne. Ne sois pas injuste. Tu es bien placée pour savoir que l'amour, ça fait faire n'importe quoi. En fait, c'est pas Gino qui m'inquiète, c'est Hyacinthe. Imagine qu'elle soit pas du tout amoureuse de Gino et qu'elle veuille lui piquer tous ses sous. Et si c'était une espionne du KGB? Et si... Ouais, je vais te dire, moi. Le vrai problème, c'est de savoir comment on va manger. Parce que, comme tu le sais, je n'ai pas encore trouvé un livre de cuisine qui marche. Ok, tu t'occupes de nous trouver de quoi manger et moi, je me charge de tirer cette histoire d'espionne au clair. Salut! Salut! J'ai besoin d'un conseil. Tu sais que Gino a une amoureuse? Bah oui, Hyacinthe, c'est chouette, hein? Non. Pourquoi? Parce que je sens qu'elle est pas vraiment amoureuse de lui et ça m'inquiète. Oui, mais ce n'est qu'une sensation. Il faudra en être vraiment sûr. Et tu te souviens de la première fois que ta mère m'a présenté à Gino? Il m'a fait passer un genre de test. Alors, comme ça, vous êtes l'homme idéal? De qui? De Mia Poupa. Qu'est-ce qu'elle vous trouve? Mais... Désolé, ça va pas coller avec Poupa. Vous êtes trop farabuto. Super idée, t'as raison. On va faire la même chose à Miss Caribou.
regardé cette vidéo, c'est que vous avez tapé les mots-clés « cuisine » et « nul » sur Internet. Ne vous laissez pas abattre, il vous reste la solution. Un coach de cuisine personnalisé, moi. Alors n'hésitez pas à m'appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Et n'oubliez pas, qui cuisine un œuf, cuisine un bœuf. Qui cuisine un œuf, cuisine un bœuf. Qui cuisine un œuf, cuisine un bœuf. Alors, quelle coïncidence, vous allez vers le centre-ville? Oui, je dois m'acheter des lunettes de soleil. Ah, bah ça c'est drôle, moi aussi je vais par là. Dites, je me demandais, qu'est-ce qui vous plaît le plus chez Gino? Ben, avant tout, sa gentillesse. Et vous êtes amoureuse de lui alors? C'est l'homme de ma vie. J'étais dans la rue, il m'a bousculée et je suis tombée en amour. Hello! Alors comme ça, on cuisine très très mal? Ben oui. Plus pour longtemps. Dites-moi, vous êtes maniaque? Je crois pas, non. Vous êtes jalouse? Non. Et vous êtes fidèle? Bien sûr. Une femme parfaite, quelle galère. Mais pourquoi tu me poses ces questions? Comme ça, pour savoir. Allez, au revoir. Alors, elle va commencer par me faire un petit test simple, histoire que je me rende compte de son niveau. Elle va nous préparer un... je sais pas moi, un petit œuf au plat. Richard, c'est affreux. Quoi? Hyacinthe n'est pas une femme bien? C'est pire que ça! Elle est géniale! Ah, tant mieux pour Gino alors. C'est ça, ouais. Elle se concentre, elle respire, elle a le poignet souple et zac d'un petit mouvement sec. Victoire! Cette fois, tout est dans la poêle! Elle progresse vite. Ma chérie, tiens, tu veux goûter à mon œuf au plat? Alors? Trop cuit, et ce serait nettement meilleur sans tous ces petits morceaux de coquilles qui craquent sous les dents. Gino? Hyacinthe, elle est partie! Hein? Mais pourquoi? Parce qu'une petite ragazza lui a posé des tas de questions indiscrètes et figure-toi que Hyacinthe est persuadée que c'est moi qui t'ai demandé de les lui poser. Non mais ça ne va pas! Qu'est-ce qui t'a pris d'aller embêter cette pauvre fille, toi? C'est que... Gino, je te connais depuis que je suis toute petite et... Enfin, je crois que le fait que tu changes tout d'un coup, ça m'a fait peur. Peur? Oui, je sais que c'est idiot, mais t'as toujours été une sorte de repère pour moi, alors j'ai un peu perdu la tête, je suis désolée. Mia Lou, ce n'est pas parce que je suis amoureuse de Hyacinthe que je vais moins t'aimer. Mais maintenant, elle est sans doute perdue à tout jamais. Ne t'en fais pas, il n'est peut-être pas trop tard. C'est vrai, je vais la rattraper. Où est-elle partie? Ah, à la gare. Elle m'a dit qu'elle voulait prendre les trains pour Borgnole. J'y vais. Gino ne m'a jamais demandé de vous poser toutes ces questions. C'est moi qui l'ai décidé toute seule. J'ai fait ça parce que j'ai eu peur de le perdre. Ah bon? Mais je... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Gino est malheureux sans vous. Ce serait bien que vous reveniez. Qu'est-ce que vous en dites? Le train est à destination de Montréal. Je partirai pour les gardes à la fermeture automatique des portes.
Oh non! T'inquiète, on descendra au prochain arrêt et on prendra un train qui nous ramènera à la ville. Pas un chat ce soir. Ma cuisine italo-québécoise n'est plaît à personne. Vous devriez peut-être revenir à la cuisine italienne traditionnelle. Enfin, je dis ça... Mais c'est qui, lui? Tu nous présentes ou quoi? Voici mon coach de cuisine. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, Gino risque de nous avoir comme cliente encore longtemps. Et je confirme. Très longtemps.